Lydie Nadège, si tu pleures tes méga vraiment, je crois que tu t'es trompé de direct. Tu as suivi. Je ne fais jamais les vidéos de 2 minutes. Et c'est exprès, je fais mes vidéos très longues. Parce que c'est sur quoi je compte. Bonsoir à tout le monde. Donc, je demande l'assistance des ancêtres. J'ai les nouvelles que je dois vous donner concernant votre vie. Beaucoup d'entre vous, ça fait un bout que vous faites déjà votre travail spirituel. Ok? Et vous avez l'impression que je fais. Vous avez l'impression que je n'ai rien fait. Je suis là pour vous annoncer que vous avez déjà brisé beaucoup de malédictions familiales. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux par hasard. Vous n'êtes jamais tombé sur ma vidéo par hasard. Il y a des choses que vos mères n'ont pas pu faire de leur vivant. Elles sont mortes. Vous voici, en 3 mois, vous avez fait tous les rites qu'il fallait faire. Chaque semaine, tu fais un nouveau truc. Comme tu fais, je suis là pour te dire que comme tu fais, tu ne vois pas le résultat immédiat. Tu ne dois pas laisser tomber. Écoutez-moi bien, vous avez remarqué qu'elle fait les vidéos que de la nuit maintenant. Donc, vous devez comprendre que il y a des choses qui sont en train de se passer dans votre vie. Il y en a même parmi vous. Votre mère a essayé d'avoir des enfants. Votre mère a essayé de se marier. Votre mère a essayé de prendre le visa pour aller en Europe. Elle a tellement essayé que elle est morte sans aller en Europe. Te voilà. Depuis 3 mois que tu tombes sur mes vidéos,
J'ai osé te faire croire que tu peux changer ta vie. J'ai osé te faire croire que tu peux devenir aussi quelqu'un. Écoutez-moi. Que ça sonne la cloche comme ça, là, vous entendez. La fessée, ce n'est pas la blague. Votre vie est sur le point de basculer. Tu regardes ta vie dans 2 mois, tu dis que yay. Récemment, j'ai vu quelqu'un. L'année passée, la personne est revenue au pays, on s'est rencontrés. J'avais pas de voiture l'année passée. Et je sortais de tellement de choses. Je venais de perdre mon logement. Il y avait tellement de choses en fait. Donc, je peux dire qu'il y avait trop de choses qui se passaient dans ma vie. Donc voilà la personne qui entre dans ma vie. Elle me voit non. Elle me dit, ok, elle voit mon standing de vie. Elle comprend qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore ça. Cette année, la personne vient me voir. Elle me demande que. L'année passée, je t'ai vu, tu n'étais pas comme ça, non? Je lui dis oui. Elle vient voir ma maison. Elle voit mon voiture. Elle voit ma vie. Il sentit que c'est seulement la bouche qui a manqué à la personne pour demander que mamie, tu as fait quoi? C'est la bouche qui a manqué à la personne. Pour dire que, dis-moi ce que tu as fait. Quand je suis resté en journée, je restais au salon, j'ai dit, mais attends un peu. Je regarde en arrière. Et là, les ancêtres me disent, tu dois venir dire aux gens qui te regardent. Comment tu as fait? Comment tu t'es senti? Système, je ne donne pas le destin des gens. Tu es sur la mauvaise page. Pardon, continue la recherche. Il y en a parmi vous. Vous avez lavé le pipi jusqu'à. Pour vous, est grave. Il dit que vous avez lavé le pipi ou. Il dit que vous avez la ton corps est salé. Je suis là pour vous dire ceci. Dans 6 mois, vous allez regarder votre vie. Vous allez dire que il y a un Dieu ici dehors. Il y a un Dieu. Parce que vous savez quoi? Beaucoup d'entre vous, Didi Nanej, tu as pleuré tes méga tout à l'heure. Tu n'es pas ma personne, mamie. Je t'en prie. Tu as compris? Un détail que vous devez connaître, moi, je ne force pas les gens à me suivre. À nous de forcer. Tu vas regarder ta vie comme ça. Diana, tu dois créer ton entreprise. Tu veux qu'on augmente ton salaire, pourquoi? Tout ce que tu ne veux pas faire par la foi, tu vas finir par perdre. Ce qui dit que vous n'avez pas les yeux spirituels. C'est pour ça que les ancêtres vont mettre des messages comme ceci pour t'encourager. Maintenant, si tu veux écouter, tu attends que un ange tombe du ciel le matin avec le haut-parleur. Il dit, écoute-moi, voilà. Ce que tu te trompes, ça ne va jamais se passer. Écoute bien, ça ne va jamais se passer. Il y en a parmi vous, vos choses sont retenues. Ton bébé, donc tu rêves, tu vois ton bébé dans tes mains comme ça là. Tu te réveilles, tu dis, yeah, l'enfant est. Oui. Ça fait 7 ans que monsieur est en train de chercher l'enfant. Recevez votre bébé ce soir.
Tu dors comme ça, tu vois comment on t'habille, on t'attend comment. Tu entends comment on entend les cloches sont en train de sonner pour que tu te maries. Tu te réveilles. Ton gars vient de te quitter. Il s'est levé un beau matin, on s'est parti. Comme un fou qui est, que sa folie vient de commencer. Vous avez commencé à toucher le fond de quelque chose qui est très profond. Certaines de vos familles, vous avez été bloquées sur 5 générations. Toi, tu te lèves. Petite fille badounesse, tu dis que tu vas briser la malédiction sur toi et tes enfants à venir. Alors que depuis 4 générations dans ta famille, on ne fait pas les enfants, plus d'un enfant. Depuis 4 générations, on ne se marie pas et on laisse dans le mariage. Depuis 4 générations, on ne fait pas un mariage sans que ce soit la polygamie. Depuis 4 générations, personne n'a jamais été riche. Personne n'a jamais parti en Bengue depuis 4 générations dans votre famille. Il y a les Camerounais, quand même en 1950, ils étaient en Bengue. Donc, ton arrière-grand-père a loupé. Ton grand-père a loupé. Ton père a loupé. Toi, ça t'a déjà loupé 3 fois. Je suis là pour te dire. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans 6 mois, vous allez regarder votre vie. Vous aurez la chair de poule. Tu vas regarder ta vie dans 6 mois. Tu vas seulement tomber à terre. Tu vas dire, Seigneur, merci. J'ai grandi en voyant ma mère souffrir. Elle vendait tout le poisson brisé. Elle faisait frire les beignets. Elle vendait un peu de tomates au marché. Ouais, ma mère n'était jamais stable financièrement. Quand tu demandais un peu l'argent à ma mère, on sait pleurer toujours l'argent. Oh, oh, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Allez sur Facebook. Sur Facebook, c'est de Give Digger Academy. La connexion, le truc là est tellement instable aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Vous allez... Ce sont les gens qui vont vous rappeler d'où vous venez. Les gens vont dire, ma chérie, que tu te rappelles, tu te rappelles, ça fait 4 mois. Tu cotisais les pièces de 500 francs ici pour prendre le taxi. Hein? Je vais arrêter TikTok parce que là, ça marche pas. Comment, chérie? Tu te rappelles? Tu t'es fiancée cette fois? Ils t'ont tous quitté la dernière semaine avant le mariage. Tu vas se marier. Oui, je sais. 3 hommes m'ont enceinté, ils sont partis. On s'est moqué de moi. Quand tu t'y attends le moins, ton gars vient comme ça là que moi. Il vient seulement que moi. Tu dis qu'il est compréhensif, doux, patient, bienveillant. Tous les yang que tu peux imaginer. Patient, bienveillant, yang, yang, yang. Tout ce que tu veux mettre, tout ça, mettez-moi. L'homme qui ne trouvait pas souvent la femme là. Tu tombes sur une femme comme ça là, que yeah.
Elle te conseille. Elle prend ton argent, elle investit. Après, elle récolte la. Elle vient te donner encore. Tu dis yay. Donc, le genre de femme, c'est existe. Elle prépare ton lavage au sel, elle vient te donner que lave-toi avec B. Tu ne veux pas te laver, elle te fait. Elle dit que B, sors-toi, elle te lave même encore. Il y a un niveau de votre vie, hein, où vous n'avez pas les problèmes. Il y a un degré. Ta mère peut-être, elle a fréquenté pendant des années. Quand elle a eu son diplôme, elle est morte 6 mois après. Tu n'as pas le temps d'enjoy son diplôme d'infirmière. Ta mère a ouvert sa vente. Ou bien elle a eu ses papiers pour l'Europe. Elle n'a même pas fait 6 mois en Europe, elle est morte. Donc elle n'a pas pu manger le fruit de ce qu'elle a semé. Dans le Seigneur te met à cœur. Tu écoutes mes vidéos. Il te dit fais. Brise les malédictions qu'il y avait sur ta mère. Tu brises. Tu brises. Tu as enfin en train d'enlever tous les mauvais trucs qu'elle t'a passés sans savoir. Je vous prépare seulement, parce que qu'elle dit souvent, c'est là que vous êtes devenu super riche, vous pensez qu'il blague. Je vous prépare. Tu vas souvent ressentir ça, tu vas sentir tellement d'énergie dans toi. Chaque jour, l'énergie là va se convertir en 5 millions. Chaque jour. Certains d'entre vous, les armes qu'ils utilisaient avant pour venir vous attaquer, ça marche plus. Parce que vos ailes se sont ouvertes. Eux qui vous poursuivaient, ils vous persécutaient. Vous êtes devenus leurs persécuteurs. Dans les rêves, c'est maintenant vous qui les poursuivez. Tu as rêvé de quoi? J'ai rêvé qu'il poursuivait un homme là. Il est poursuivi jusqu'à. Après, il a tapé, il a tapé, il est tapé comme ça jusqu'à. Il y a 2 mois, dans le rêve, on te tapait. Je ne suis pas difficile à voir. Si vous voulez me voir, venez sur ma page, vous cliquez. Et voir mes vidéos. Ça, ce n'est pas le Gaviscon. Ce n'est pas le Gaviscon. Ezimando, avant de me donner les noms des choses, je n'ai pas mon nom de Soma. Je stresse sur quoi, mon père? J'ai la jambe. Il met souvent sur mes statuts WhatsApp que tu ne payes pas le loyer dans ma tête. Donc tu ne peux pas rester. Quand il me couche pour dormir, mon frère, je dors jusqu'à. C'est pas le risque. Vous avez.
Beaucoup de démons que vous avez déjà mis à terre. Et Anna sont venus vous attaquer en parabole physiquement. Que maintenant qu'on ne peut plus te toucher là, tu crois que tu es arrivé. Quand la personne passe, c'est une heure après que tu ressens ça, tu dis que toucher comment même? Ils ont essayé de venir te toucher encore la nuit. Il y avait ton sel et ton gingembre. Il y avait tout. Tu avais les armes. Tu avais versé la poudre là. Le kit maison hanté, tu avais versé ça partout la maison. Tu avais fait le son 35. Tu as mis le fire. Ils ont venu, ils ont mis la tête comme ça là. Ils sont partis. Elle repart chez son gars là-bas. Loulou, comment me voyager pas souvent loin là, non? Vous connaissez. Elle est arrivée là-bas. On lui a dit qu'on ne peut plus la toucher. Madame, on ne peut plus la toucher. You don't finish. This one. You don't finish. Quand elle rentre, elle voit. Bam, tu as acheté une nouvelle voiture. Bam, tu as délaissé ton chantier. Bam, tu te maries. Bam, tu pars en bain. La rage commence. Ouais, tu vois, quand ils viennent devant vous, on se là. Elle a sa vieille RAV4 depuis que tu as 15 ans là. 35 ans, elle a toujours la même RAV4 là. Elle vient devant toi. Et en fait, tu crois que tu es arrivé. Comme tu as la fortune là, tu crois que tu es arrivé. Donc, il va acheter. Je veux pas. Je n'achète pas ma fortune, pourquoi? Il t'aimerait rester avec ta RAV4. Ne vous en faites, je vous prépare. Parce qu'ils vont venir. S'ils ne sont pas venus. Le soir là, tu verses encore bien les choses sur la fortune là. Tu verses ça bien. Tu chandalises la fortune là. Chandalabokosokorobobochikatarabasante. Yes. Ils vont vous chercher, ils ne vont plus vous voir. Et pas même à l'eau. Les gens de l'eau disent que pardon. La femme là, tout le monde, mais pas elle. Tu prononces son nom ici, l'eau va se lever, ça va nous engloutir. Donc, hein. Tu prononces son nom de la femme ici. On va avoir seulement le tsunami. Donc, bêta, laissez son nom. Please. Prochaine personne, ta tante va sortir de là. J'ai tué sa mère. Pourquoi il n'arrive pas à la tuer? Pour sa mère, c'était facile. Mais la fille, là, elle a vécu chez moi, non? C'était une petite fille. Comment elle est devenue sage comme ça? Tu es passé sur ma page. Tu es à l'école. Dis-lui que tu es à l'école. C'est la vraie école. Ils vont seulement constater des choses. Ils vont constater. Tu n'es plus envoûtable. Ton mari n'est plus envoûtable. Les folies qu'on lançait souvent sur toi comme ça. Tu regardes ta tête, tu jettes de l'air, tu commences à insulter, tu chasses ton mari. Tu gâtes toi à la maison. Tu exposes ton mari dehors, tu gâtes ton mariage. Les folies là, c'est sorti sur toi. C'est fini, oh mamie. Je t'annonce que ton prochain mariage, tu vas arrêter comme ça là. Je t'annonce ça. Par la fait que il venait dans toi comme ça, là, tu commences à dire que, ah, est-ce que j'ai même besoin de l'homme? Hein? Moi, je me suffis. Hein? Moi, tu commences à faire ça. En tout cas, on te manipulait.
qu'on voit, tu es zen. Ton mari est zen. Et vous êtes beau. Tu es belle, il est beau. En fait, quand deux personnes sont beaux et belles, ça vous dérange pourquoi? Si il n'épouse pas cette femme, toi qui es laide là, si il t'épouse, tu es laide, ça ne va pas donner. Tu es jalouse de ta cousine, pourquoi? Pourquoi il est beau comme ça? Pourquoi son mari est beau? En plus, regarde comme il l'aime. Deuxième kit de déblocage. Ah là, les murs sont tombés. C'est bien, mamie. Continue ton travail. On voit comment ton mari est doux, patient, calme. Si elle ne l'épouse pas, toi tu es laide. Regarde ton visage, tu ne te vois pas. Tu ne te vois pas. Tu es jalouse de ta cousine, pourquoi? Il va t'épouser. Tu es laide, ton cœur est noir. Il y en a parmi vous qui... Vous attirez toujours les hommes qui sont beaux comme ça là. Donc, on t'a déjà gâté 4 mariages. Tu as 40 ans. 45 ans. Un jeune homme de 35 ans comme ça, Mania Kaboubé, il vient te trouver, tu as 42 ans. Il dit, c'est que toi que je veux. Tu dis que ouais. Il dit que frais, beau, calme, patient. Ajoutez la liste. Riche. Les gens vont. Ils ont volé, ça va encore venir. Ce sera même qu'un Mengiste. Pour certains d'entre vous, j'entends que ce sera même qu'un Mengiste. Tu vois, déjà le gars de Mengi vient là que. Il a les papiers. Il a l'argent. Il a le boulot. Il est beau. Il a le boulot, il est beau. Donc on me dit de beau, t'es beau. Donc. Il t'écrit. Tu peux aussi l'attendre à l'aéroport. Tu dis que je vais voir avant de croire. Pardon, quand je suis à l'aéroport, rappelle-toi de ce qui a été dit. Rappelle. Il descend, tu le touches aussi, tu le vois. Tu dis que yay. Yeah. Hey. Vrai, vrai. Ah. 2 semaines plus tard, il dit que. Pardon, on va voir tes parents d'abord. On ne peut pas moi. Moi, je veux dire que tu viens rester avec moi là-bas à Washington. Tu dis que. Hein? Seigneur, merci parce que tu avais enlevé derrière moi. Eric, Jacques, Daniel, Jean Bosco, Jean Crépin. Pélagie, préparez-vous à ce que vos rêves se réalisent. C'est bien que tu vas dire, je vais encore demander quoi à Dieu. Ok, qu'est-ce qu'il veut demander à Dieu? Oh Dieu, Dieu, je veux quoi? J'ai la voiture, j'ai les enfants, j'ai le mari, j'ai l'argent. Ok. Bon, Dieu, attends un peu, je ne sais pas. Bon, Dieu, donne-moi ce que tu veux. Avant que le Seigneur fasse quelque chose, je vous disais avant-hier, il annonce d'abord. Je vous dis que vous avez brisé les malédictions de vos familles. Tous les lavages que tu fais depuis 3 mois là, tu as déjà percé. Tu comprends?
Écoute, fais comme ça là. Nettoie bien ton oreille. Tu as déjà percé. Ça va seulement se déverser sur toi. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Les enfants eux-mêmes ne comprennent même pas. Mais maman, maman, tu ne nous dis plus d'économiser ça là au frigo. C'est même toi qui dis non, allez finir, moi, elle finissait ça aujourd'hui. Tu fais plus des faux bavardages. Que l'argent est dû, hein? Hein? Vous gâtez mes choses dans la maison, c'est pourquoi? Les mails, là, laissez-moi les likes, on se connaît. Vous gaspillez trop les choses dans la maison, si. Vous aimez trop le gaspillage. Maman, tu as changé. Maman, maman, tu as changé. Tu ne te plains plus, maman. Tu ça. Bonjour la reine Véronique. Si vous me suivez seulement indiscrètement, il n'y a pas de problème. Avant, on te faisait les promesses. Voilà, il y a un business là, à la présidence. Ça va donner 200 millions. Ça va tomber dans 4 jours. Tu auras ta part dans 50 millions cash. Ma chérie, dans 7 jours, tu ouvres ton compte, tu vois 50 millions. C'est plus l'affaire qu'on te faisait les trucs comme ça. Après, on te tourne pendant 6 mois. Finalement, on te donne rien. Commandez le kit, non. Il y a les kits, il y a les consultations. Consultation 33 800. Consultation express en 24 heures. 65 100 euros. Kit déblocage 25 000. Là, c'est plus au Cameroun. Dans les autres pays, ça diffère. Commandez vos bâtons de commandement. Commandez vos outils. Au chapeau avec les courriers, commandez vos couronnes, tout est là disponible. J'ai à tout béni, tout est à votre disposition. Prenez les kits fondation. Votre énergie, si on ne vous avait pas gâté comme on vous a gâté à la naissance, c'est quand même à 10 ans que vous étiez, vous seriez même déjà tellement riche que. Comme ils avaient fait ce qu'ils ont fait, ça a ralenti votre puissance. Certains parmi vous, vous êtes déjà fatigués, vous avez prié tellement. Des médecins vous disent que c'est la saison des récoltes. Certains, vous avez beaucoup semé. Vous avez beaucoup semé. Payer votre dîme les derniers temps, c'était très difficile.
Parce que tu payais comme ça, mais tu remboursais beaucoup de dettes. Beaucoup. La semence que tu as semée n'est pas en vain. Certains d'entre vous, vous devez choisir votre chemin seul, loin de votre famille. Je vois quelqu'un qui décide de s'éloigner de la direction que sa famille a prévue pour lui et crée son propre chemin. Ils sont avec toi. Il y a des anges devant toi qui débroussaillent le chemin pour que tu passes. Même si tu as peur, fais-leur confiance. Certains, c'est le nouveau business dans lequel vous allez vous aventurer. On va vous parler du business comme ça aujourd'hui. Demain, tu mets tes 5 millions. Dans 3 jours, ça te donne 20 millions. Sans retomber. Sans conséquence. Certains d'entre vous, il y a des portes qui vont se fermer. Vous ne devez pas chercher à les ouvrir à nouveau. Certains, vous aurez des nouveaux guides spirituels. Certains, vous êtes totalement nouveau sur ma page. Donc, je suis devenu votre nouveau mentor. Laissez les paroles que je vous dis pénétrer votre corps. Ça va guérir les balles que vous avez reçues. Certains d'entre vous avez reçu des balles spirituelles. Ça vous a beaucoup fait mal. Certains d'entre vous, vous avez les vêtements royaux qui sont en train de déposer sur vous. On me dit de vous dire que votre habit, votre garde-robe est en train de changer. Et depuis quelques jours, vous demandez de jeter certains habits ou d'offrir à l'orphelinat, mais vous durcissez. Certains d'entre vous, il y a un pliant de pluie de bénédiction qui vient. Tellement d'argent. Et pour certains d'entre vous, vous allez arrêter de vous cacher.